as we all know, Adilia Aliyeva is a legend in the international music business, a pianist that the people who really know about music and about the piano, they know who she is. She is one of the most unique representatives of an almost lost form of how to play the piano, style, sound, technique. It's all there, and this is something that she passes on to all of these young people that she works with. And again, it's a great honor and privilege to work with Madame Aliyeva again, and let's hope she's around for a long time, bringing her great art to many people. She's just wonderful in terms of her technical virtuosity, in terms also of her own interpretive skills, and the fact that she can play, you know, very magically, and at the same time there is power there. Say there's a strong Russian school in the background, and she has built upon that. So there's a great passion and individuality in her playing. Я мог бы многое рассказать о том, как играет этот замечательный музыкант мои произведения, но рассказывать, как она играет, это, по-моему, бесполезно. Лучше слушать. Thank you.
Аделе Алиевой всего 12 лет. Она учится в музыкальной школе. My mother always prepares the best shoes, the best dress. It was like holiday, not holiday, but it was great event. It was exceptional atmosphere. Of course, we were nervous, of course, but I never said about it. Our father, he said, it's all your job. You have not to be nervous. And tell me, are you nervous? And of course, we said, no. So we can't show it. And I think it's a very good psychological trick, because from beginning he already protected. Et si nous parlons musique, c'est ce que nous allons faire dans cette émission entre nous, avec, vous rendez compte, Adilia Alieva, donc, qui a été considérée comme l'une des plus grandes pianistes du siècle, et ça c'est Marcel Landowski. C'est vrai, quand on porte un tel intitulé, ça doit être pas facile à porter finalement. Vous avez raison, c'est pas facile, mais je suis très honorée, je suis très fière que je connaissais les personnalités telles que M. Landowski, qui était président de l'Institut de France et l'Académie des Beaux-Arts, que je connais, président de l'Institut de France actuel aussi, qui s'appelle M. Petit Gérard, qui est encore chef de deux orchestres en France, et encore beaucoup d'autres, vous savez, partout dans le monde, et ça c'est grand honneur, et ça c'est comme ça on peut continuer à vivre. C'est pourquoi on vit, vous savez, parce que les gens, si notre art, les gens apprécier, ça veut dire qu'on ne vit pas pour rien. J'ai entendu ses enregistrements qui ont laissé un très bon impression. Par exemple, le deuxième concert de Prokofiev. Elle est techniquement une très forte pianiste. Thank you.
sa technique pianistique et son sens du style. Je me souviens, entre autres œuvres, des variations sur un thème de Paganini de Rachmaninov, qu'elle interprète superbement. Молодец она, она сама замечательная пианистка. Я ее слышала, правда, не в концертах, а в репетициях. Но уже как-то, знаете, даже в репетиции она бывает понятно. And she is very open to modern music, contemporary composers like Rodion Shedrin and others, and that always makes interesting programs. Ну и вот сейчас мы встретились с ней впервые, она мне сыграла. Она готовит сейчас исполнение моего 6-го фортепианного концерта. И мне понравилось общение с ней, творческое, человеческое. Так что я рассчитываю, что нынешняя наша встреча первая, но не последняя. Particularly warm word of greeting, friendly greeting, must go to Adilia Alieva herself, president of our jury and a celebrated concert artist. Et il est aussi important, et tout à son honneur, d'avoir créé ce concours international. Ce concours international qui se passe dans la ville de Gaillard et qui porte son nom est un concours dont j'ai pu entendre les finalistes hier. Et ces finalistes, ces candidats, candidates, en fait, c'était des femmes, sont d'un haut niveau pianistique.